Olympic! Pour siège en fait le Burkina Faso donc à Ouagadougou est installé donc depuis 2009 à travers l'association Programme Planète. Juste pour vous expliquer un peu l'arrivée donc de Bayard en Afrique, tout a commencé en 1993 au Mali lorsque il était question de produire en fait des magazines à destination en fait de la jeunesse africaine, donc autour de quelques ministres en fait africains, de l'Agence française de développement et donc de la francophonie et de Bayard. Il est né donc le premier Planète Jeune qui, pour ceux qui sont plus anciens parmi nous, a remplacé automatiquement Kwaku à l'époque, hein, Kwaku qui circulait beaucoup en Afrique. Et donc Planète Jeune a fait son chemin et après on a pris la décision de créer Planète Enfant qui est venu rejoindre et compléter un peu la gamme. Aujourd'hui, on a décidé d'aller un peu plus bas que l'âge de Planète Enfant en faisant sortir pour cette année Planète J'aime lire, qui reprend un titre donc, de Bayard en France qui s'appelle Mes premiers J'aime lire. Nous sommes ici au Bénin aujourd'hui pour vous parler donc de cette histoire africaine de Bayard, de ce parcours, de ces magazines qui ont fait rêver beaucoup de jeunes, d'adolescents, beaucoup d'enfants sur ce continent africain, mais aussi pour vous parler de l'importance de la lecture en Afrique, de ce développement en fait de cette lecture-là auprès de la jeunesse. Cette jeunesse-là qui pour nous en fait représente la crème des crèmes de l'avenir du continent. Le Bénin est assez stratégique quand on parle d'édition jeunesse en Afrique francophone. Ceci étant, les magazines Planète ont un circuit. Comment est-ce qu'ils sont fabriqués? Si vous voulez, l'ingénieur en chef donc, de la fabrication est là, elle est à côté, Madame Moudjiba Daouda Koudjo. C'est elle donc, qui conçoit le magazine et qui le couche donc, sur papier. Elle a une équipe de maquettistes avec elle et des collaborateurs, des centaines, comme l'a dit le directeur général adjoint, disséminés un peu partout en Afrique et en Europe. Donc, les commandes sont envoyées, les propositions sont reçues, triées, tamisées, mises en forme et coulé par des maquettistes donc, sur du papier. Après cela, tous ces fichiers-là sécurisés sont envoyés en Espagne en particulier, en Espagne, donc pour impression. Il s'agit des magazines Planète Jeune et Planète Enfant. C'est ensuite réacheminé donc, depuis l'Espagne en passant par la France jusqu'à Ouagadougou. Et de Ouagadougou, c'est réacheminé donc, dans les pays d'Afrique francophone, dont le Bénin, bien sûr. Pourquoi imprimer en Espagne? C'est sûr qu'il y a beaucoup d'entre vous qui se posent donc cette question, parce que tout simplement, c'est une équation économique. Comment proposer donc du papier de qualité d'un point de vue visuel à un coût acceptable? Tenez-vous bien que imprimer en Espagne, acheminer, dédouaner, rerouter, ça coûte moins cher que si on l'imprimait au Bénin ici. On n'a pas le choix, on était donc obligé donc de rester dans cette équation. Mais pour le Planète J'aime lire, le tout nouveau-né, vous voyez les affiches un peu partout, nous avons pris un pari, un très gros pari, que nous sommes capables de le faire ici, de l'imprimer en Afrique pour les Africains à une qualité acceptable. Et je pense que nous pourrons donc revenir très largement là-dessus. Sur les pays d'Afrique francophone, nous avons un réseau de ventes dédié. Ça veut dire que la naissance donc, de ces magazines-là a engendré dans les pays francophones la création d'entreprises dédiées à la distribution de la presse. C'est des emplois directs et indirects créés, bien sûr, avec donc, l'avènement de ces magazines-là.
Je voudrais bien marquer la différence entre nos deux précédents numéros et celui-ci. Planète J'aime lire complètement aux autres, qui sont destinés à des lecteurs complètement autonomes. Il est destiné aux enfants de 5 à 7, 8 ans. Quand vous calquez ces âges sur les fréquentations scolaires, c'est à peu près le CI jusqu'en CE1, peut-être CE2 pour certains enfants parce qu'ils sont pas toujours, ils évoluent pas toujours tous de la même manière. C'est pour des lecteurs qui apprennent à déchiffrer. Donc, c'est des primo-lecteurs débutants qui ont besoin d'être soutenus pour lire. Mais pourquoi écrire, proposer un roman pour des gens qui ne savent pas lire? Et c'est là l'intérêt, l'originalité de cette nouvelle offre. Parce qu'on entre, on veut mettre la lecture dans un univers où famille et enfants, lecteurs expérimentés et non expérimentés, enseignants et élèves, soient ensemble pour lire. Donc c'est ce besoin de mettre la lecture au cœur de la famille, que le parent ne se sente pas dédouané simplement parce qu'il a offert un magazine ou un livre à son enfant. Pour apprendre à lire, il faut être accompagné. Pour aimer la lecture, il faut que quelqu'un vous montre le chemin, vous tienne la main. Nous avons mis quelques temps pour pouvoir nous installer, pour pouvoir voir comment est-ce qu'on va développer et déployer les ailes de ce magazine dans tout le Bénin. Et là, nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vous et nous profitons de l'occasion pour remercier Bénin Culture qui, dès le départ, s'est impliqué à nos côtés par le biais de son circuit de diffusion et de distribution de ses produits. Maintenant, nous voudrions vous dire qu'à partir de très prochainement, dans quelques semaines, nous allons vous rencontrer. Et cette fois-ci, ce ne sera plus vous seul. Ce serait avec les enfants, avec des lecteurs, avec des prescripteurs, puisque nos magazines, quand nous prenons Planète J'aime lire, la communication, ce n'est pas à l'endroit de l'enfant qui va lire. La communication, c'est à l'endroit de vous autres et des autres lecteurs de Planète Jeune et de Planète Enfant qui sont déjà grandes, et également des lecteurs, des parents et des enseignants, puisque nous évoluons surtout par le biais des abonnements, et puisque également s'abonner, c'est être sûr d'avoir les magazines très très régulièrement, donc avoir un suivi dans la lecture, et également c'est payer moins cher.